yeah. Ella Junior on the microphone. La vie est brutale. Well, on envoie un message. La vie est brutale. Par des gens indifférents. Nous sommes dans l'an 2000, pourtant ce n'est pas si facile. Des gosses crèvent de faim et vivent dans les bidonvilles. Comment peut-on accepter dans cette société c'est même une égalité, une telle cruauté. Des gosses délaissés dans les routes de tous les états, poussés à voler et pourchassés comme des rats. Pourtant ils ne le sont pas, non, ce sont des êtres intelligents. La vie ne leur a pas offert la richesse et l'argent. L'argent, le fric, la thune, le pognon. C'est avec ça qu'on est bien vu dans le monde où nous vivons. Mais les enfants dont je vous parle n'ont pas eu de chance. Ils souffrent en silence, leur espérance. Pas immense, il faut comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Trouvez-vous ça normal que leur vie soit brutale? La vie est brutale. Brutale. La vie est brutale. Le soir comme la journée, ils traînent dans les rues. La journée comme le soir, la drogue est à l'affût. À la vie d'ignorants, de nouveaux jeunes perdus. Maudite est le jour où cette drogue est apparue. Car ces enfants, qui jeunes, sont sa proie préférée. Elles se permettent avec l'envie aujourd'hui de jouer. Mais ceci n'est pas un jeu, non, ceci est dangereux. Une génération sacrifiée, je trouve cela face à eux. N'ayant pas de parents, n'ayant pas de maison, la drogue est pour eux le seul moyen d'évasion. Mais que fait le gouvernement, celui qui est pas d'argent? Il oublie ses enfants et investit dans l'armement. Je trouve ça dégoûtant, moi je trouve ça répugnant. Oh oui, je suis révolté, est-ce que tu me comprends? Car je me sens concerné. En tant qu'adolescent, une telle situation ne se porterait pas longtemps. Oh oui, vous faire raisonner, tel est mon idéal. C'est normal, ça vous fait mal, ouais. La vie est brutale. La vie est brutale. La vie est brutale. C'est une souffrance cruelle et prolongée que d'être né dans ce putain de monde, dans cette putain de société. Une société brutale. Oh oui, dans laquelle l'argent est roi. Oh oui, croyez-moi, l'égalité n'existe pas. L'égalité doit être respectée dans tous les domaines. Impossible pour martyriser d'apaiser sa haine. Oui, ce système est là. Reste pour ce bain de grâce. Une vie dangereuse de rime pour mettre toutes les choses en place. Homme de bon cœur, oh oui, venez tendre la main. Car ces enfants sont avant tout des êtres humains. Ne vous laissez pas s'abaisser par la richesse et le pouvoir. Tout cela pour vous quitter et vous laisser sans espoir. Sans espoir. Connaissez ces enfants, ils ne croient en rien. Pour eux l'avenir est pas grand. Ils ont pas connu l'école, mais connaîtront la tôle. Leur avenir est classé, il est déjà sous contrôle. Alors que faire, mon frère, leur vie est un enfer. Regarde ce qui passe, y'a pas de quoi en être fier. Sommes-nous égaux? Cette question est fatale. C'est normal, ça vous fait mal. Car la vie est brutale. La vie est brutale. Brutale. La vie est brutale. Ouais, on envoie un message, j'espère que c'est pis. Brutale. Ouais, c'est une dédicace à Diabolo. La vie est brutale. On va faire ce saline à tous les bagages, ma fille, c'est une on the microphone. La vie est brutale. Well, on envoie un message. La vie est brutale. Brutale. Ce dont je viens de parler est un sujet important. Souvent délaissé par des gens indifférents. Nous sommes dans l'an 2000, pourtant ce n'est pas si facile. Des gosses crèvent de faim et vivent dans les bidonvilles. Comment peut-on accepter dans cette société c'est même une égalité, une telle cruauté. Des gosses délaissés dans les routes de tous les états, poussés à voler et pourchassés comme des rats. Pourtant ils ne le sont pas, non, ce sont des êtres intelligents. La vie ne leur a pas offert la richesse et l'argent. L'argent, le fric, la thune, le pognon. C'est avec ça qu'on est bien vu dans le monde où nous vivons. Mais les enfants dont je vous parle n'ont pas eu de chance. Ils souffrent en silence, leur espérance n'est pas immense. Il faut comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Trouvez-vous alors.
vie est brutale. Brutale. 259 journées, ils traînent dans les rues. La journée comme le soir, la drogue est à la fuite. À la fille d'ignorant, de nouveaux jeunes perdus. Maudit est le jour où cette drogue est apparue vers ses enfants. Elles si jeunes, sont sa proie préférée. Elles se permettent avec leur vie aujourd'hui de jouer. Mais ceci n'est pas un jeu, non, ceci est dangereux. Une génération sacrifiée qui trouve cela face à eux n'ayant pas de parents, n'ayant pas de maison. La drogue est pour eux le seul moyen d'évasion. Mais que fait le gouvernement, celui qui est pas d'argent? Il oublie ses enfants et investit dans l'armement. Tout ça dégoûtant, moi je trouve ça répugnant. Oh oui, je suis révoltée, est-ce que tu me comprends? Car je me sens concernée. En tant qu'adolescent, une telle situation ne se porterait pas longtemps. Et on veut vous faire raisonner. Tel est mon idéal, c'est normal, ça vous fait mal. Ouais, la vie est brutale. La vie est brutale. Dans cette putain de société, dans cette haie, oh oui, dans laquelle l'argent est roi. Oh oui, croyez-moi, l'égalité n'existe pas. L'égalité doit être respectée dans tous les domaines. Impossible de martyriser, d'apaiser sa haine. Oui, ce système-là, reste pour ce bain de crasse. Il est dangereux de même remettre toutes les choses en place. On veut du bon cœur, oh oui, venez tendre la main. Car ces enfants sont avant tout des êtres humains. Ne vous laissez pas aveugler par la richesse et le pouvoir. Tout cela peut vous quitter et vous laisser sans espoir. Sans espoir. Connaissez ces enfants, ils ne croient en rien. Pour eux l'avenir est pas grand. Ils ont pas connu l'école, mais connaîtront la tôle. Leur avenir est placé, il est déjà sous contrôle. Alors que faire, mon frère, leur vie est un enfer. Regarde ce qui passe, y'a pas de quoi en être fier. Sommes-nous égaux, cette question est fatale. C'est normal, ça vous fait mal. Car la vie est brutale. La vie est brutale. Brutale. La vie est brutale. Ouais, on envoie un message.
des gens sont différents. Nous sommes dans l'an 2000, pourtant ce n'est pas si facile. Des gosses crèvent de faim et vivent dans le bidonville. Comment peut-on t'accepter dans cette société? C'est une inégalité, une telle cruauté. Des gosses délaissés dans les routes de tous les états, poussés à voler et pourchassés comme des rats. Pourtant ils ne le sont pas, non, ce sont des êtres intelligents. La vie ne leur a pas offert la richesse, c'est l'argent. L'argent, le fric, la thune, le pognon. C'est avec ça qu'on est bien vu dans le monde où nous vivons. Mais les enfants dont je vous parle n'ont pas eu de chance. Ils souffrent en silence, leur espérance n'est pas immense. Ils font comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Trouvez-vous ça normal que leur vie soit brutale? La vie est brutale. La vie est brutale. La vie est brutale. Le soir comme la journée, ils traînent dans les rues. La journée comme le soir, la drogue est à l'affût. À la fille d'ignorance, de nouveaux jeunes perdus. Maudité le jour où cette drogue est apparue. Car ces enfants, qui jeunes, sont sa part préférée. Elles se permettent avec l'envie aujourd'hui de jouer. Mais ceci n'est pas un jeu, non, ceci est dangereux. Une génération sacrifiée, je trouve cela face à eux. N'ayant pas de parents, n'ayant pas de maison, la drogue est pour eux le seul moyen d'évasion. Mais que fait le gouvernement, celui qui est pas d'argent? Il oublie ses enfants et investit dans l'armement. Je trouve ça dégoûtant, moi je trouve ça répugnant. Oh oui, je suis révoltée, est-ce que tu me comprends? Car je me sens concernée. En tant qu'adolescent, une telle situation ne se porterait pas longtemps. Oh, vous nous faites raisonner, tel est mon idéal. C'est normal, ça vous fait mal, ouais. La vie est brutale. La vie est brutale. La vie est brutale. La vie est brutale. Notre France cruelle est prolongée que d'être né. Dans ce putain de monde, dans cette putain de société, une société. Oh oui, dans laquelle l'argent est roi. Oh oui, croyez-moi, l'égalité n'existe pas. L'égalité doit être respectée dans tous les domaines. Impossible d'enfants martyriser, d'apaiser sa haine. Ni ce système-là. What's stop pour ce bain de crasse? Une vie dangereuse de rime pour mettre toutes les choses en place. Un peu de bon cœur, oh oui, venez tendre la main. Car ces enfants sont avant tout des êtres humains. Ne vous laissez pas aveugler par la richesse et le pouvoir. Tout cela peut vous quitter et vous laisser sans espoir. Sans espoir. Connaissez ces enfants, ils ne croient en rien. Pour eux l'avenir est pas grand. Ils ont pas connu l'école, mais connaîtront la tôle. Leur avenir est classé, il est déjà sous contrôle. Alors que faire, mon frère, leur vie est un enfer. Regarde ce qui passe, y'a pas de quoi en être fier. Sommes-nous égaux? Cette question est fatale. C'est normal, ça vous fait mal. Car la vie est brutale. La vie est brutale. La vie est brutale. La vie est brutale. Ouais, on a envoyé un message, j'espère que c'est peace. La vie est brutale. Brutal.
courage, homme de bon cœur. Oh oui, venez tendre la main, car ces enfants sont avant tout des êtres humains. Ne vous laissez pas aveugler par la richesse et le pouvoir. Tout cela pour vous quitter et vous laisser sans espoir, sans espoir. Connaissez ces enfants, ils ne croient en rien. Pour eux, l'avenir est pas grand. Ils n'ont pas connu l'école, mais connaîtront la tôle. Leur avenir est placé, il est déjà sous contrôle. Alors que faire, mon frère, leur vie est un enfer. Regarde ce qui passe, y'a pas de quoi en être fier. Sommes-nous égaux, cette question est fatale. C'est normal, ça vous fait mal. Car la vie est brutale. La vie est brutale. Ouais, on envoie un message. La vie est brutale. Ce dont je viens vous parler est un sujet important. Tout fondé laissé par des gens indifférents. Nous sommes dans l'an 2000, pourtant ce n'est pas si facile. Des gosses crèvent de faim et vivent dans les bidonvilles. Comment peut-on t'accepter dans cette société? Synonyme d'égalité, une telle cruauté. Des gosses délaissés dans les routes de tous les états, poussés à voler et pourchassés comme des rats. Pourtant ils ne le sont pas, non. Ce sont des êtres intelligents. La vie ne leur a pas offert la richesse et l'argent. L'argent, le fric, la thune, le pognon. C'est avec ça qu'on est bien vu dans le monde où nous vivons. Mais les enfants dont je vous parle n'ont pas mis de chance. Ils souffrent en silence. Espérons c'est pas immense. Ils font comprendre que leur vie n'est pas la vie idéale. Trouvez-vous ça normal que leur vie soit brutale? La vie est brutale. La journée comme le soir, la drogue est à la fille d'ignorant. Tout nouveau que le perdu. Maudit est le jour où cette drogue est apparue. Car ses enfants, si jeunes, sont sa part préférée. Elles se permettent avec l'envie aujourd'hui de jouer. Mais ceci n'est pas un jeu, non, ceci est dangereux. Une génération sacrifiée, je trouve cela très seul. N'ayant pas de parents, n'ayant pas de maison, la drogue est pour eux le seul moyen d'évasion. Mais que fait le gouvernement, celui qui n'est pas d'argent? Il oublie ses enfants et investit dans l'armement. Je trouve ça dégoûtant, moi je trouve ça répugnant. Oh oui, je suis révolté, est-ce que tu me comprends? Car je me sens concerné. En tant qu'adolescent, une telle situation ne supporterait pas longtemps. Ayant le pouvoir de m'exprimer avec les mots, pourtant si fatigué, j'osais prendre mon stylo. Car un de ces enfants aurait bien pu être moi.
dans cette misère, j'aurais pari, croyez-moi, où c'est un calvaire. Un ticket pour l'enfer, que d'avoir eu la malchance d'aller dans cet univers. Un univers où chacun vit de sa peau, un en face des milliards. Et l'autoroseur, oh oui, vous fait raisonner. Tel est mon idéal, c'est normal, ça vous fait mal. Ouais, la vie est brutale. La vie est brutale. Dans ce putain de monde, dans cette putain de société, une société, oh oui, dans laquelle l'argent est roi. Oh oui, croyez-moi, l'égalité n'existe pas. L'égalité doit être respectée dans tous les domaines. Impossible de pas martyriser la paix de sa haine. Où ce système-là, c'est ton pouce dans le crâne. Le plus danger de rien pour mettre tout en chose en place. Un peu de bonheur, où vous venez tendre la main. Car ces enfants sont avant tout des êtres humains. Ne vous laissez pas aveugler par la richesse et le pouvoir. Tout cela pour vous quitter et vous laisser sans espoir, sans espoir. Connaissez vos enfants, ils ne croient en rien pour l'avenir est avant. Ils sont pas pour une école, mais connaissons la tôle. Leur avenir est placé, il est déjà sous contrôle. Alors que faire, nos frères, leur vie est dans l'enfer. Regarde ce qui passe, y'a pas de quoi en être fier. Sommes-nous égaux, cette question est fatale. C'est normal, ça vous fait mal, car la vie est brutale. La vie est brutale. Et brutal, on envoie un message, j'espère que c'est peace. Et brutal. Val, c'est dédicace à Diabolo. On va dédicacer sur ta ligne à tes rebats d'amour d'une scène. Voilà tous les enfants de toi, celle-ci est dédicacée. À tous les voisins, faillants, celle-ci est dédicacée. Le plus grand de toi, ma vie, que vous y a frappé.